besoin de vous pour mettre un max d'ambiance, pour crier le plus fort possible, pour faire un max de bruit. Est-ce que vous savez faire? Ok, on va commencer avec ce premier morceau. On va faire un truc très simple ensemble. Dès que vous verrez mon frère ici prendre sa trompette, sur tous les refrains vous allez chanter avec nous le plus fort possible. C'est pas compliqué, ça fait. Depuis des jours et des jours, voire des semaines, on commence à danser.
changer. Ce n'est qu'une idéologie, les tours nous passent, passent. J'en peux plus de cette vie quand je te regarde en face. Mais je voudrais que tu aies confiance, qu'on réduise la distance. Je voudrais que tu penses que nous deux c'est une évidence. Mais je vois bien que je rame, que ma dame calme tout le ram, tap, 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 que je déballe alors. Voulez-vous, que je vous apprête à vous, que je vous aime. Cela changerait-il quelque chose? Ça se tourne, tourne, tourne depuis les jours et les jours, voire les semaines. Mais tout semble, mais se pose. Ah! On a joué avant-hier parce qu'on fait toute la tournée. Attendez, je vais vous expliquer. On fait toute la tournée avec Kimber. On a la chance d'avoir été pris pour faire toute la tournée avec lui. Et on a joué avant-hier à Nantes. On a ouvert des salles de l'autre, petite ville au bord de la mer. Je ne sais pas si vous connaissez. Bref, on va pas vous raconter notre vie. Des salles ici. Hier, on joue à Paris. Et ce soir, on joue à Clermont-Ferrand. Et notre papa, il est originaire de Clermont-Ferrand. D'ailleurs, il y a un peu de notre famille qui est ici ce soir. Notre papa, il est originaire de Vichy. Vous connaissez Vichy? C'était vrai, pour l'instant, c'est les trois meilleurs concerts de la tournée. Et c'est pas exclu que ce soit ce soir le meilleur. En tout cas, merci beaucoup, Clermont. On va avoir besoin de vous pour la prochaine chanson. On va vous demander de retenir par cœur les paroles du prochain refrain. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Cette chanson, elle s'appelle Fanny.
de la voix ou pas? Ok, alors on va vous demander à tous de chanter le plus fort possible avec nous. Ça fait Fanny pleure, triste fleur. Fanny fan de l'intérieur. Fanny pleure, triste fleur. À s'envoyer le cœur. Fanny pleure, triste fleur. Fanny fan de l'intérieur. Fanny pleure, triste fleur. À s'envoyer le cœur. Tout le monde! Fanny pleure, triste fleur. Fanny fan de l'intérieur, à vous! Fanny pleure, triste fleur. À s'envoyer le cœur plus fort! Fanny pleure, triste fleur. Fanny fan de l'intérieur, Fanny pleure, triste fleur. À s'envoyer encore, le tout cœur. Le monde! Fanny pleure, triste fleur. Fanny fan de l'intérieur, Fanny pleure, triste fleur. À s'envoyer le cœur, Fanny pleure. Ce soir, clairement, on aimerait vous emmener en voyage avec nous. Est-ce que ça vous dit de partir en voyage avec nous? Ça vous dit ou pas? Pour ça, on aurait besoin d'un petit peu de votre aide. On voudrait, parce qu'il n'a pas fait beau aujourd'hui, et je pense que ce soir, on les verra pas. On voudrait que vous sortiez tous votre téléphone portable, que vous allumiez vos petites lampes, et que vous nous emmeniez voir les étoiles pour cette prochaine chanson. C'est possible, ça, ou pas?
matin. J'y veux rien, mais tu m'as tapé, tapé dans l'aile. Et puis je prie et prie, j'y vais à tout, je peux parier, parier. Mais faudrait que tu veilles. J'y veux rien, mais tu m'as tapé, tapé dans l'aile. Quand j'approche, c'est tout pour qu'on ne m'évite pas. On parlerait de tout et de toi, je pleurais ma reste en toi. Tu voudrais plus qu'être avec moi. On quitterait la soirée, je t'emmène à m'élancer. Là où personne ne nous verra. On cuisinerait sur la lancée, le décor enlacé. En ce moment, on est bien là. Et tu verras, qu'on a des choses en commun. Tu voudras, qu'on m'attende pas demain. Tu verras, qu'on se prendra par la main avant l'arrivée du matin. J'y peux rien, mais tu m'as tapé, tapé dans l'air.
souligner si jamais vous avez envie de suivre notre actualité. Sachez qu'on est sur les réseaux, on a un Facebook, on a un Instagram, c'est Léonie Officiel. Donc Léonie comme le prénom L-E-O-N-I-E. Donc voilà, n'hésitez pas, on met plein de petites stories, on met plein de petites vidéos. Je sais pas si vous avez vu, on a un pote qui est un peu sur la scène, un peu partout en train de courir, qui fait des vidéos tout le temps. Et chaque jour on met des vidéos de report des concerts de la veille. Donc voilà, de cette semaine on va mettre le report de Clermont-Ferrand aussi. Donc vous pouvez avoir tous ces petits moments. Je voulais juste aussi vous dire que si jamais ce concert vous a plu, que vous voulez en emmener un petit souvenir, on sera dans le hall juste après le concert de Kinvé. On aura des CD à vendre et tout ça. Donc même si vous voulez juste parler 5 minutes avec nous, on sera là-bas, n'hésitez pas à venir nous voir. Je voulais aussi en profiter pour remercier toute l'équipe technique qui nous accompagne, les personnes qui nous font le son, la lumière, les personnes autour, les personnes qui nous font manger, les personnes qui sont un peu partout autour de cette tournée. Voilà. Merci à eux, vous pouvez les applaudir très fort s'il vous plaît. Et juste avant de vous laisser, on voulait vous remercier aussi du fond du cœur d'avoir chanté, d'avoir frappé dans les mains, d'avoir crié avec nous, d'avoir mis une putain d'ambiance pour cette première partie. Merci à tous, Clermont, vous êtes là. Et alors, on va pas vous laisser comme ça. Maintenant que vous êtes tous debout, on va vous demander un dernier effort, Clermont. Vous êtes toujours en forme ou pas? Ok, alors on va vous demander de plier un petit peu les jambes comme ceci, tout le monde devant, derrière. Pas de vous rasseoir, hein. Juste de plier les jambes et bouger un petit peu comme ceci. Allez tout le monde. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez foutre un putain de bordel dans ce zénith. Vous allez essayer de toucher le plafond. Vous allez crier le plus fort possible. Vous allez lever les mains le plus haut au ciel. Vous allez frapper dans les mains. Vous allez les brancher jusqu'à la fin de ce morceau. Est-ce que vous êtes là ou pas? En plus c'est hyper bien dans le pied, ça fait un peu les muscles, ça fait un peu le fessier, c'est cool. À 3, attention. 1. Le public le plus chaud.
fumée. Si tu l'es en fait, comment t'en consumer? Et je te détiens quand je prends les choses en main. Les autres je sais, je vais t'emmener. Je veux dire, je ne remets rien à demain. J'avais tout à m'arrêter, j'avais fait ton point. J'ai juste partagé, partagé. Au moment que je ne peux imaginer. Mon pas choqué, le climat de moins s'arraché. Qui va contre moi jusqu'à ce que tu lèves un moment avant que le jour se lève. J'attends ce moment où il est pour le se lève et que doucement le pas se lève. Qui va contre moi jusqu'à ce que tu lèves un moment avant que le jour se lève. Est-ce que vous pouvez juste taper des mains tous ensemble comme ça? Au début sans s'y faire, on s'est donné rendez-vous.
C'est que je me rappelle d'une salle d'avant tour, j'étais tout malade comme un chien et j'arrivais pas. Et j'arrivais, je sais pas pourquoi on dit malade comme un chien, je suis vraiment malade. Mais je me rappelle, j'arrivais pas du tout à chanter et on a failli arrêter le show au milieu. Et grâce à vous, en fait, qui avez chanté tout chaud, et ben on a réussi à finir le show avec vous et ça me restera à vie dans mon petit cœur. Comme vous l'avez compris, enfin, comme vous avez pu le voir déjà, ce sont des places assises. Mais comme vous l'avez compris, vous avez évidemment le droit de vous lever. Oui, j'ai bien compris. Si toutefois vous aviez un voisin avec un citron qui est derrière, vous direz « Excusez-moi de vous importuner, cependant ce sont des places assises et j'aimerais bien que vous asseyiez devant moi. » Vous pouvez toujours lui faire ça, il est gratuit, il n'y en a pas. Parce que, mais on a quand même quelques règles à respecter. Si tu as une femme enceinte derrière toi qui te demande de t'asseoir, tu vas pas te retourner lui faire « T'as qu'à le bon, connaisse ?» Donc là, tu te décales ou tu t'assois, tu fais comme tu veux. Une personne à mobilité réduite derrière toi, ça veut dire si tu vois des béquilles ou un fauteuil roulant, effectivement, tu te retournes pas en lui disant « T'as qu'à te lever ?» Ça paraît logique, hein. Mais c'est bien de respecter ça quand même, hein. Et si c'est une personne âgée, ça veut dire « Je vais me faire des ennemis là. » C'est l'âge de tes grands-parents ? Si, quand même. Personne âgée, moi, c'est l'âge de mes grands-parents, je t'assure que... c'est... Bon, s'il y a des cheveux blancs... Bon, s'il marche comme ça... Ah, c'est bon, c'est... S'il a l'âge d'Aznavour, d'accord ? Ça va, t'as parlé à tout le monde ? Et qu'il n'a pas envie de se lever, la petite femme ou le petit bonhomme qui a l'âge d'Aznavour, tu lui dis pas... Lève-toi, par respect quand même, tu te décales, tu danses comme ça. Mais par contre, sache aujourd'hui, Clermont-Ferrand, que tu as le droit de taper des pieds. Tu as également le droit de taper des mains. Tu as le droit de crier à gorge et de l'épaule terrible comme ça. Je n'ai pas trouvé le mot, je te jure, j'ai... Comment on dit, on dit crier à gorge? Merci. Répondu. J'ai mes vieux répondu. J'ai pu le dire, ça fait... Comme un bug. On a compris. Ils ont eu pitié, ils ont tout en fait. Ouais, ta gueule, allez. Mais tu as eu le droit aussi de danser, et ça tombe bien, parce que si on a pu se donner rendez-vous ce soir, je pense que c'est aussi grâce à ce morceau-là. Je deviens ta dure.
comment tu parles à ma sœur? J'aimerais qu'on t'aime, oui j'aimerais qu'on t'aime, et elle ne me bat pas, non j'aimerais qu'on t'aime, à moi de valer, oui j'aimerais qu'on t'aime, et elle ne me bat pas, non elle ne veut 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 pas. C'est de jouer avec vous, sinon en fait je peux le faire en avalanche, c'est la même chose, et puis après comme si vous n'étiez pas là. Là vous êtes là, donc on va jouer avec vous et on va voir ce qui est des deux côtés est le meilleur. Le côté gauche, est-ce que tu vas bien? Et à droite, ça va? Dernier de l'équipe à être arrivé sur cette chiffre. J'arrive pas à parler sur, c'est vraiment une soirée. Tu choisis le côté gauche ou le côté droit? Je vais aller rejoindre le frérot là-bas. Je pense que le côté gauche a bien caché son jeu. Je n'ai pas réussi à faire une phrase en même temps. Crash par Pierre. Je trie. Donc, j'espère que le côté gauche a bien caché son jeu. J'ai hâte quand tu vas chanter avec du débit. Alors, on va se faire une chanson de l'album 7 qui fait « Pour moi, là, c'est trop, elle m'a fatigué. Pour moi, là, c'est trop, elle m'a fatigué. Pour moi, là, c'est trop. » Ça commence difficilement. Faites du bruit pour notre jury de ce soir, Mr. DJ Flamma. Ne vous inquiétez pas. Oui, je sais ce que vous vous dites. C'est trop facile. Il est à droite. Il dit toujours à droite. C'est pas vrai. Il arrive à être bon juge. Et c'est un ami depuis longtemps.
Pourquoi tu le... d'un coup comme ça? J'ai envie d'être gentil, j'en ai. Monsieur Désir Florent, je suis très touché. Et le premier point, il est à la droite. Ça sent la bonne soirée. Vous êtes joués, les gars? Ouais. On remet un point pendant la chanson, moi j'ai confiance en mon côté gauche, balance. Ce mec-là, pour une partie de FIFA, il est capable de déclencher une bombe nucléaire dans un pays. Franchement, je ne sais pas, mais en tout cas... Ils se sont donnés tellement... Moi, j'ai vu de l'amour, j'ai vu de l'amour. Mais je m'en fous pas, ça verra partout quand même. Tout ce que je sais, c'est que je vais continuer sur cette... J'arrive pas à parler aujourd'hui. Parfum de victoire. Oui, sur ce parfum de victoire. Excusez-moi, j'ai laissé mon cerveau en loge, je pense. Un petit bout, c'était juste un petit bout. Et juste pour rester sur cette ligne de victoire, comme ça, je vais vous demander, est-ce qu'il y a des filles ce soir dans la salle? Tu sens bien, ça sent. Ça sent la victoire. Ah bah redis bien, et après pareil aussi. Est-ce qu'il y a des mecs ce soir? Ouais. Ah, terre de rugby, ça gueule, hein. Ah, il y a du... on a fait les garçons, on a fait les filles.
que les autres attaillent devant s'il y a des enfants. Est-ce qu'il y a des enfants ce soir? C'est... On se croit au club de repli. Personne connaît. Regarde, tu vas voir. Et mes chaussettes. Rouge et jaune, un petit point. Je sais pas si je dois être fier de vous, si j'ai honte. Est-ce qu'il y a des filles ce soir? Est-ce qu'il y a des mecs ce soir? Ouais. Tu vois, le cri de terre de rugby, on le sent, c'est un vrai cri de... Il y a un truc. Est-ce qu'il y a des enfants ce soir? Claude, on est d'accord que ce sont les filles qui gagnent? Oui, c'est les filles. Mais ce soir, on va faire aucune différence. Que tu sois fille, que tu sois garçon, ou que tu sois les deux. Que tu sois enfant, bébé, que tu sois animaux de compagnie, ou que tu sois directeur Yorkshire, comme ça, comme personne à deux, je suis tranquille. On vous emmène tous au sol. De talent et de choristes qu'on appelle le monde. Et
on s'était dit que ça serait marrant de les confronter, comme ça. Donc à ma droite, j'ai DJ Fleurhomme, et les autres, vous avez compris. On va faire un petit jeu, et comme j'ai toujours tendance à dire que le public a toujours raison, et bien c'est vous qui allez décider qui est le meilleur, et celui, donc, celui qui perdra, ne sera pas payé ce soir. Plaît-il ? Oh putain, tu l'as sorti de 1840, moi quel âge ? Je sais parler, plaît-il ? Personne dit, oh, excusez-moi, va te reculer, plaît-il ? Personne dit ça ? Salut ? Ah oui, tu dis ça ? Bon, alors, ok, va pour la paye. Clermont-Ferrand-Paris, ça fait 700 km, on doit rentrer après. Ouais, celui qui perd, il rentre en courant, sous la pluie. J'ai pas trop la gueule à courir, tu vois. Mais y'a pas de gueule pour courir. Non, rien comme ça. Perso. Ok, bon, on arrête la course alors. C'est. Non, moi j'ai une idée bien qui va faire chier tout le monde. C'est celui qui ne boira pas ce soir. J'ai des baskets, je vais peut-être courir. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, je vous explique. DJ Florent va jouer un truc, le band va refaire la même chose. Et ça sera à vous de décider qui mérite le point. C'est bien compris ? Vous avez pris cher la motivation là, vous avez compris ? Ça, je retrouve clairement. Allez, balance. Tous une tête comme ça, c'est que normalement ils finissent pas comme ça le morceau, et normalement non ça fait Luca ton ton ton, et là je fais que c'était très joli, mais au pire des cas il y a quand même quelqu'un qui est sur scène, et puis il faut que j'aimerais être prévenu pour pouvoir, quand je fais ça, pas avoir l'air d'un con, faire pourquoi ça s'arrête pas. Non, c'est très bien. Qui fait du bruit pour DJ Florent, s'il vous plaît? Qui fait du bruit pour le band ? Alors, hein, je suis pas sûr, mais je pense que... Je suis pas sûr. DJ Florent ? Le band ? C'est un point pour le band. Deuxième essai. Allez mon Flo, y a pas... Ça fait 2-0.
qu'est-ce que ça fait de perdre littéralement comme une grosse merde devant papa et maman? J'avais envie d'avoir ce ressenti. J'ai pas donné mon démo, il me reste une petite chance. Oui, très solide, oui. Par pitié peut-être, pardon, je sais pas. On va commencer par le band. Ça n'empêche que t'as perdu et ce soir c'est une victoire du bord. Enfin, c'est la plus belle chose qui puisse arriver dans une nuit. J'ai senti mon cœur exploser à la naissance de notre fille. Et ma joie fut de courte durée. Peu de temps après tu es parti. Et je me sens désarmé quand notre petit papa, je voudrais un poney qui volait pour rejoindre maman. Qui est tout là-haut, comme ça, elle ne serait plus seule. Oui, ce serait vraiment le plus beau des cadeaux. J'aurais aimé qu'elle puisse apprendre à te connaître, toi la personne qui l'a fait naître. Sache qu'elle saurait te reconnaître, car elle m'a demandé une photo de toi pour mettre au-dessus de son lit. Et elle en aura savant chaque nuit. Petite est vraiment la plus jolie, mais je ne sais quoi faire quand c'est plus difficile. Papa, je voudrais un poney qui parlait pour rejoindre maman qui est tout là. Thank you.
sentie si belle. Tes yeux qu'on s'observe pour se s'amener. On était la prime, on ne pouvait pas vivre sans elle. La relation était devenue plus que fusionnée. Titi, a eu le temps passé, rien n'a changé, sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée, que tu m'apprends, que dire ça nous difficulté. Une nouvelle école, de nouveaux amis, elle ne vit pas longtemps, elle s'adaptait à cette vie. Tu connaissais le temps, peut-être qu'elle est ravie, et tu reprends le pour petit ami. Apprécier les bons. C'est peut-être à tort, mais moi ça m'a fait du bien. Et j'aime à croire en fait que qu'on perde quelqu'un comme une mère, parce que j'imagine que pour moi ça serait la chose la plus dure, c'est pour ça que je l'ai mis dans le plus beau des cadeaux, ou qu'on soit harcelé comme petite Émilie en espérant évidemment ne pas avoir la même fin. Je pense que ça c'est des obstacles, c'est des coups que la vie nous donne pour nous forger. Et j'aime vraiment à croire qu'il y a un moment dans ce chemin de la vie, tout ça en fait nous servira. Il y a une phrase qui dit: ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Moi, ça m'a... j'en suis la preuve. J'étais quelqu'un de triste avant, mais ça, on en parlera plus tard. C'est grâce à vous que ça a changé. Mais j'aime vraiment à croire que dans le chemin de la vie, on va rencontrer des gens bienveillants. Des gens comme vous, quand vous avez été là au Saltimbanque et que vous avez chanté à ma place alors que j'étais malade. Comme d'autres gens qu'on pourra rencontrer qui vont nous déclencher un sourire, qui vont nous déclencher des bonnes pensées. Et même si parfois, c'est vrai, quand il nous arrive un truc sur la gueule de mauvais, on a l'impression que ça s'arrête jamais. Vous avez jamais eu cette sensation, vous? Genre, il t'arrive un truc et puis ça s'enchaîne, et tu te fais, ça va, doucement, comme, puisque j'ai plus d'épaule pour soutenir tout ça. Ben, moi, j'aime à croire que dans le chemin de la vie, un jour, tout ira mieux. Les choses changent, je te rencontre en échange, ta vie peut basculer.
Mais il y a plus étrange, tu arrives au moment où tu te sens le plus acculé. Tu verras tes gens bien, tu te tends pour la main. Ce sera à toi de ne pas rater l'occasion et de toujours croire en ton destin. N'attends pas que les choses viennent reboter, ne laisse rien à la chance. Proposition malsaine et bloquée, en attendant la délivrance. On ne choisit pas d'où on est, d'où on vient, et on a chacun notre chemin. Moi j'ai mis le mien. Et toi? J'en ai eu des envies dans le chemin de la vie, et je sais que j'en aurai encore. Si parfois je trébuche, je me relève aussi vite, j'apprends et cela m'étend plus fort. Car pour mon destin, il faut que je trace ma route coûte que coûte. J'ai blanc entre les mains, que l'avenir est fait de tout. La vie est un combat où la chance ne compte pas, donc ne redescends jamais ta garde. Quand tu seras plus bas, pense à ceux qui ne sont plus là et qui de la haute regardent. Lève pas les bras, faut croire en soi. Garde la voix, ça tombe la petite grenée de tes seins, de ta la malgré les coups de la vie en ses ans. J'ai dit, dissipé, d'anticiper, dissiper les peurs. Pour s'émanciper, les petits prix domineront encore et alors prends ton destin, tant qu'il t'en reste un. Tu n'oublies plus, surtout ne lâche pas de l'aide, ne laisse personne ne te dicter ce qui est bon pour toi. Si tu ne le sais pas, alors qui le saura? Avant d'atteindre le bonheur, je sais que la route est encore. Mais un jour, toi et moi, on l'aura ensemble. J'en ai eu des envies sur le chemin de la vie et je sais que j'en aurai encore. Si parfois je trébuche, je me relève aussi vite, je pourrais se lever. Car mon destin, il faut que je trace ma route coûte que coûte. Je porte les mains, que l'avenir est fait de doux. Ou atteindre le sommet d'une montagne, il y a plusieurs chemins pour y arriver. Et seul ton courage t'accompagne, elle sera ton meilleur allié. Maintenant imagine un peu que cette montagne représente tes rêves ainsi tous tes vœux. La route sera longue et même si l'espoir s'effondre, c'est avec tes anges qui t'en veulent. J'en ai eu des envies sur le chemin de la vie et je sais que je le ferai encore. Si parfois je trébuche, je me relève aussi vite, la voix est seule à me rendre plus fort. Car au fond mon destin, quand je frappe ma route coûte que coûte, entre les mains, mais je sais bien que l'avenir est fait de tout. Ça va, là? C'est très bien ce que tu dis. Au bout d'un moment, nous on est derrière et on se fait chier, tu vois, et on n'est pas venu ici pour souffrir, ok? Ça va, ça va. Pourquoi? Au bout d'un moment, enfin voilà, je pense en cas comme tu peux le voir, on peut danser aussi. Clairement, vous voulez danser ce soir? Dès qu'il y a un message avec un peu de fond, vous en battez les couilles, c'est ça? Non, on n'a pas dit ça, mais ça va deux minutes, quoi. Juste parenthèse, deux secondes, parce que si je le dis pas, en fait, je vais y penser toute la soirée. Bonjour, Val. On m'appelle B-A-L-D. C'est B-A-L-D Junior. Tu l'as pas vu? Oui, toi. Il y a un petit avec, il y a un petit blond devant avec des lunettes, et en fait, il ressemble à Val, et je le vois depuis... En fait, tout à l'heure, quand je le vois, j'entends... On m'appelle B-A-L-D. Je jure, je bloque. Je suis en bloqué. Je t'ai vu, mais toi t'as bloqué. Excusez-nous, on est en parenthèse. Hein. Ouais. Même toi t'es passé à côté, t'as fait. Je m'en rappelle, mais. Bon, c'est tout. Donc, vous voulez danser? Pas ouais. Bah, dansons. Thank you.
Bah ça danse hein. Quoi non, c'est très bien. Ça ne bouge pas assez. Ça ne bouge pas assez. Non. Selon quel critère? Les miens. À quel moment tu t'as dit que tes grignages m'en battaient pas les couilles? Bon, on veut quelque chose qui bouge plus, que tout le monde connaît et en français. Enfin, d'accord. Je veux dire quelque chose. Et enfin, tu comptes t'habiller ou rester en culotte? Vous êtes tous des hypocrites. Quand tu l'avais arrivé comme ça, tu t'es pas dit, elle a pas oublié sa robe. Tu sais, on croit que t'as oublié ta robe. Il n'y avait pas le budget, vous n'avez que le budget sous vêtements. Mais c'est très joli. Vous voulez un truc en français qui bouge? Ouais. J'ai pas de problème avec ça. Par contre, c'est le moment de boucher les oreilles de tes petits bambins. Plus fort!
je me donne le maximum. Le choc est en lumière, comme ça je vois que lui, j'ai l'impression que Val m'observe. Comme... Donc on va recouper la salle en deux, parce que nous sommes à un partout, c'est ça? Ouais. Nous allons compliquer la tâche. On va faire un morceau tout nouveau, qui fait... Est-ce que tu réalises que rien ne réalise avec toi prends tes valises, que l'on officialise, toi et moi tu réalises. Prends tes valises. Bon, comme on peut le voir tout de suite, tout le monde la connaît pas. Qui la connaît? Je reviens dire que l'esprit se par là, je suis dans la merde encore. Ouais. Il y a un passage, on vous en veut pas, elle est toute neuve. Elle vient de sortir du pressing, comme ça. Ah fait, il y a un passage qui fait eh oh, eh, la, 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 la. Et nous on devra évidemment faire eh oh, eh, la, 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 la. Ils vont faire ça aussi, mais ils vont commencer cette fois-ci parce qu'à chaque fois on commence et on se fait niquer, j'en ai marre. C'est bon, ça. Il y a un 1, pourquoi tu dis ça? Parce que, il y a un 1, mais à chaque fois on commence. Là, tout à l'heure on a commencé, c'est à vous. À droite, c'est prêt. On fait eh oh, eh, la, 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 la. Et on donne tout, on gueule aussi fort qu'on peut. On dit, eh oh, eh, la, 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 tout le monde. Alors là, pour un premier essai, c'est pas mal. Eh oh, eh, la, 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 à toi. Eh ben c'est beaucoup mieux. C'est normal. Attends. C'est pas normal, c'est le talent. Eh oh, eh, la, 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 tout le monde. Voilà. C'est pas mal. Eh oh, eh, la, 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 la. Alors là, j'ai hâte. Je me dirige vers DJ Florent, notre jury de ce soir, d'un pas attelant. Non, pas sûr de moi, mais attelant. Je vous savais dire, je m'aime bien ce mot. Et bon, comment ça va? On est qu'à 2-1, on a largement le temps de leur mettre un 5-1 plus tard, vous inquiétez pas.